Donc nous là devant Sporting Club, casino d'été de Monte Carlo, où se joue la grande finale EPT, comme c'est marqué. Et on va rentrer un petit peu, voir à quoi ça ressemble dedans. Bonjour le modèle. Voilà, un gros hall d'entrée. Beau carrelage. Et on arrive à la salle des étoiles, qui, selon moi, est la plus belle salle pour jouer au poker. Enfin, ça dépend des goûts, peut-être. Enfin, je vous laisse apprécier. On a monsieur Jua Elpi devant, là. Voilà, admirez. Ça jette, non? Voilà où vous serez assis. Un jour peut-être. Donc on a pas mal de railbirds qui viennent voir un peu l'action. Bon, on a une bonne vue quand même sur les tables de côté, puis vu la concentration de champions et de stars au mètre carré, il n'y a pas de soucis. Bonjour monsieur Raybird. Bonjour monsieur. C'est intéressant l'action ? Ça va, ça va. Nico gère bien son tournoi. Il est pas trop mal. Donc Nico, c'est Nicolas Ferrier. Alias Nico Fer. Champion de France, amateur, FPT, en titre, qui a donc gagné un package. Un package pour cette EPT et qui a joué à côté de JALP une partie de l'après-midi. Monsieur le Raybird, ça se passe comment? Oh bah ça se passe bien, on est là depuis hier. C'est la deuxième année à Monaco? Première année, non. Première fois. Première EPT. Non, c'est bien, c'est beau. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. La salle est belle, tu vas voir du monde. Ouais, beaucoup de champions. Et beaucoup de champions, très sympathique. Les croupières sont sympathiques, comme le dit mon ami Raybird numéro 1. Les croupières sont jolies. Bon, ben voilà, vous voyez un peu le cadre. Ils sont qualifiés pour la Châle les Eaux. Pardon, monsieur? Monsieur Lenoux, il est qualifié pour Châle les Eaux. Oh, félicitations. Comme d'art. On va essayer de faire un peu mieux. Voilà, bien nommé salle des étoiles. Enjoy.